And I'd like us to continue today. Allons ensemble dans 1 Samuel. Let's go together to chapitre 15. Samuel, chapitre 15. 1 Samuel 15. Je voudrais que nous prions. Pose ta main sur ton cœur. Lay your hand on your heart. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Say, Lord, speak to my heart this morning. Je m'ouvre à toi, Seigneur. I open my heart to you. Que ton esprit inonde mon cœur. May your spirit flood my heart. Pour une transformation véritable. For a real transformation. Je ne voudrais pas être un auditeur oublié de la parole. I don't want to be a forgetful hearer. Mais je veux recevoir de toi et que cela porte du fruit dans ma vie. I want to receive from you and see fruit in my life. In Jesus' name. Amen. 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 Alléluia. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 10. Psalm 15 from verse 10. Je disais, le Seigneur s'est résolu, a finalement résolu de donner à Israël un roi. So as we said, the Lord resolved or decided to give Israel a king. Parce que Israël a commencé à se plaindre. Because Israel began to complain. Israël a dit, je suis fatigué de la gouvernance de Dieu. Israel said, I'm tired. Je veux la gouvernance de l'homme. I want to be ruled by a man. C'est quoi le problème? Je ne dois plus me tenir ici. Expliquez-moi, je fais comment? Je continue seulement de parler. Ok. Israël a dit, je veux être comme les autres nations. Israel said, we want to be like the other nations. Israël a dit, nous voulons avoir un roi. Israel said, we want to have qui a king va au-devant de nous en guerre. Who goes before us? Parce que les war choses du Dieu invisible, si là. Because the things about this invisible God are a problem to us. We want to have a king we can see. We want to have some. Dernièrement, nous avons livré la guerre. Et la boîte là nous a été arrachée. L'ennemi est allé avec la boîte. L'ennemi s'est même moqué de nous. Vous vous souvenez la dernière fois lorsqu'ils ont entendu des clameurs? Ils ont cru que le Dieu d'Israël était venu au milieu de son peuple. En d'autres termes, tu peux avoir la boîte sans avoir Dieu. Tu peux avoir les artifices. You can have the accessories. Ne pas avoir Dieu. And not have God. La boîte a été enlevée. The box was taken away. Ichabod. Ichabod. La gloire est partie. The glory has left. Israël a dit, nous voulons être comme les autres. Israel said, we want to be like the others. Nous voulons avoir un roi qui prend nos impôts. We want to have a un king roi who takes qui nous travaillons. A king for whom we work. Nos femmes vont être ses parfumeuses. Our wives are going to be his perfumers. Ça ne nous dérange pas. It's not a problem to us. Il va manger nos récoltes, une he partie de nos récoltes. Ça ne nous dérange part pas. Part of our harvest, and it's not a problem. Et le Seigneur a dit. And the Lord said, laisse faire. Let go. Let ce it n'est be. Pas, il a dit au prophète, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. He told the prophet, it is not you they c'est are rejecting. C'est moi qu'ils ont rejeté. It is me that vous they savez, have cette rejected. Phrase m'a fait trembler. You know that sentence made me tremble. Ça m'a ramené à la familiarité dont nous parlions il y a quelque temps. It brought me back to the familiarity we've been talking ce n'est about. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. You are not the one they've rejected. I'm the one vraiment, they've rejected. Je ne parle pas à Dieu, hein, je parle à l'homme de Dieu. I'm not talking to God. I'm talking to the man tu of God. Tu ne peux pas toucher l'homme de Dieu sans toucher Dieu. You cannot touch the man of God without touching God. Beaucoup de gens vont me dire ça c'est les choses de l'Ancien Testament, nous tous nous sommes dans la grâce. Many people will say that's the Old Testament, we are under grace mais now. Mais c'est des réalités. But those are realities. Et si vous êtes sincère avec vous-même en regardant vos vies, vous pouvez voir. If you're sincere with yourself, if you look at your life, you will see. Tu ne peux pas toucher à l'homme de Dieu sans toucher à Dieu. You cannot touch the man of God without touching God. Nous continuons le voyage. We continue the journey. L'homme de Dieu, Saül est établi roi. Saul was made king. Il est oint. He was anointed. Il a une armée.
He has an army. Maintenant, c'est un roi qui doit apprendre à se soumettre à Dieu. Now it's a king who must learn to submit to God. C'est comme vous lisez dans toute autorité est établie par Dieu dans le Nouveau Testament. All authority is established commence by God longtemps in the New Testament. Dans l'Ancien Testament. Starts in the Old Testament. Dieu a établi le roi. God established mais le king. Roi doit apprendre à se soumettre à Dieu. But the king must learn to submit le roi himself doit apprendre à obéir à Dieu. King must learn to obey God. Je suis en train d'arriver, je nous amène quelque part. I'm taking us somewhere. Mais ce roi-ci, but this king, dès qu'il a reçu l'huile, as soon as he received the il oil, est devenu orgueilleux. He became proud. L'orgueil tue. Pride kills. Dieu résiste vraiment aux orgueilleux. God really resists the proud. L'orgueil est un cancer. Pride is a cancer. Regardez quelqu'un qui est arrogant. Look at someone who is arrogant. Et vous allez savoir que très bientôt, and il va tomber. And you will know that very soon he will regardez fall. Quelqu'un qui parle aux gens n'importe comment. Look at someone who speaks to people anyhow. Très bientôt la personne va tomber. Very soon the person regardez will fall. Quelqu'un qui se vante de ses chars et de ses chevaux. Look at someone who très boasts bientôt, of his horses and chariots. Elle va se fracasser. Very soon regardez quelqu'un crash. Qui n'a pas d'égard pour ses parents. Look at someone who has no regard très bientôt for his parents. Sa lampe va s'éteindre. Very soon his lamp will be quenched. Regardez quelqu'un qui ne respecte pas les aînés. Look at someone who does not respect très elders. Bientôt sa lampe va s'éteindre. Very soon his lamp will regardez be quenched. Quelqu'un qui n'écoute personne. Look at someone who listens to nobody. Très bientôt sa lampe va s'éteindre. Very soon his lamp will l'orgueil be quenched. Pride. C'est un péché. Is a sin avec lequel il ne faut pas s'amuser. You shouldn't play with. Si tu sens seulement ça venir dans ta vie, if you smell it coming from a distance, il faut fuir. Run away. Mais beaucoup d'entre nous, nous tombons dans les pièges. But many of us fall into traps. Pourquoi? Parce que nous voulons nous affirmer. Because we want to assert ourselves. La société ourselves. Nous a appris. Society has que taught tu us dois t'affirmer. That you must assert tu yourself. Dois déclarer qui tu es. You must declare est-ce who que tu you sais are. Que quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas écouter? Do you know when you're proud, you don't know how quand to tu listen? Es orgueilleux, tu veux être la personne qui parle et qui parle toujours. When you're proud, you want to be the one quand tu es orgueilleux, to. C'est toi le donneur de leçons. When you're proud, you're the one who est-ce que tu sais que quelquefois, il requiert que tu fermes ta bouche même si tu sais tout? Sometimes do you know that you just need to close your mouth even la if personne you have the qui sait fermer sa bouche apprend est plus intelligente et elle apprend vite. The person who knows how to keep quiet is more intelligent and learns faster. La personne qui sait se taire. The one who knows how to be quiet peut facilement suivre une instruction. Can easily obey an instruction. Mais la personne qui parle beaucoup. But the person who talks too n'écoute much pas toujours toute l'instruction jusqu'à la fin. Does not always hear the whole instruction. A toujours à dire. And always has something to say. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists the proud. Et c'est l'orgueil qui nous renverse maintenant dans l'église. And it is proud that pride that is parce pulling us down. Parce que dans l'église maintenant, church. on a pris la mentalité du monde, on l'a amené ici et on se mesure les uns aux autres. Because we brought the worldly mentality into on the church and we compare. Les uns aux we compete with one lorsqu'on another. Parle d'un frère, lui when we c'est talk qui? About a brother, we say who is il he? Faut dire qui il est. You must say who lorsqu'on he is. Regarde la sœur, elle c'est qui? You look at the sister, who et is lorsque she? Tu parles de qui elle est, and when you talk about tu who ne parles is, pas d'une personne qui aime Dieu. You're not talking about tu someone ne parles who loves pas d'une God, personne qui sert Dieu. Or someone who serves God. Dans l'humilité. In humility. Mais tu dis, oh, tu ne la connais pas. Hein? You say, oh, you don't know c'est her. Sœur, elle est lourde. She's a sister. She's vraiment loaded. Si tu entres dans son bureau, if you go into si tu vas dans sa maison, if you go to her house, tu ne sais pas où elle travaille. Don't you know where she works? Oui, mais elle n'est pas n'importe qui. She's not just mais il faut anybody. Faire, hey, vraiment, quand tu avais elle, when you're with her, parce que c'est la mentalité corrompue. Because it's a corrupt je mindset. Veux m'élever. I want lorsque to rise deux up. Femmes se voient, when two women meet, il faut qu'elles se comparent d'abord. They must first compete. Qui est la plus belle? Who is the most qui est mieux habillée? Who is better qui a dressed? Plus d'argent? Who is richer? Non, on ne s'encourage plus à l'amour et aux bonnes œuvres. So we no longer encourage each other to love and ce good works. Ce n'est plus là les critères. Those are no longer the criteria. Non, c'est que qui est qui? We say who qui is est who? Au-dessus de qui? Who is higher, tu sais quand tu vas who? Quelque part, you know, when you la go façon somewhere, d'entrer est très importante. The way you make si your entry tu entres is important. Comme un moumou, if you enter tu vas like voir a tout le monde person, va te marcher dessus. Everybody's c'est going tout to le monde qui va you. Te... Mais quand tu arrives, tu dois there, avoir une attitude. You must have an, adopt an attitude. On oublie que même dans la parole de Dieu, il a dit que considère ton frère plus. We forget that even the Bible says consider your brother ces more versets-là, than you. On les regarde pas. We do not look at those on verses. On ne les connaît pas. We do not know those verses. Nous avons été déformés. We've been deformed. Mais je voudrais que tu te laisses transformer. But I would like you to allow yourself to be transformed. Je m'adresse à quelqu'un. Je voudrais que tu te laisses transformer. Allow, laisse Dieu entrer en toi. Allow God to enter et que tu you. Te rendes compte de ta misère. So that you realize chacun your misery. Nous, si tu ne te rends pas compte de ta misère, if you don't realize tu your ne misery, vas pas considérer un autre être humain. You will not consider another human being.
Tu vas te dire que toi, c'est à toi que Dieu a donné le mandat de domination. You will say it's to you that God has. Et le mandat de domination là, c'est dominer sur tes frères. And the mandate of dominion is to dominate. Le mandat de domination, c'est parler aux autres n'importe comment. To speak to others anyhow. Le mandat de domination, c'est t'asseoir, croiser les pieds et te faire servir. Cross your feet and allow others to serve. C'est comme ça que nous avons compris le mandat de domination. That's how we've understood. Et dans notre mandat de domination, nous pensons que nous devons dominer même Dieu. And we feel like we have to even dominate over God. Établi doit avoir peur de nous. Even God who gave us dominion must be même afraid Dieu qui of nous us. A établi doit faire attention quand il nous parle. Even God who established us must be careful when la preuve c'est que quand on parle souvent des autorités, the proof is that on dit mais il faut être authority. Comme le prophète c'est Nathan. You say we must be like prophet quand Nathan. Tu t'approches du roi, tu dois savoir comment parler au when roi. You, when you go to the king, you must know how to talk to the king. N'est-ce pas? Il est parti, right? Il a dit au roi que il lui a raconté une histoire. Story. Et c'est comme ça que nous apprenons tous à être déformés. And that's how we all get deformed. Parce que nous encourageons non seulement l'orgueil en l'autre, mais en nous-mêmes. Because we encourage pride not only in others. Et la preuve c'est que personne d'autre ne doit te parler. And the proof is no one quand must quelqu'un talk te parle, to you. When someone tu vas to lui you, rappeler ton âge. You remind him your tu vas age. Lui rappeler ton rang. You remind him your rank. Tu vas lui rappeler ton statut. You remind him your status. Et du coup, tu n'écoutes plus la parole que Dieu te donne. And you no longer listen to the word God has sent to you. Et lorsque Dieu a commencé à te donner une chose, and when God starts giving il y a ce you que thing, nous appelons la volonté permissive de Dieu. There is something called the permissive lorsque Dieu a permis God, une chose, when God allows something, tu commences toi-même à te permettre tout le reste. You start allowing everything else. Lorsque Dieu a permis une chose, when God allows tu commences à te permettre le reste. You start allowing the rest. Dieu a passé tout son temps à dire que je hais le divorce. God spent his time saying I hate divorce. Même lorsqu'il a dit au prophète prends, va prendre une prostituée, fais comme ça, c'est parce qu'il voulait donner un message. Even when he sent the prophet to get a prostitute, he was trying to pass across a message. Mais nous prenons maintenant le message de ce que Dieu a permis au prophète de prendre une prostituée et on se dit que maintenant moi-même c'est le prophète. Tu es sûr que ce n'est pas Dieu qui m'a dit and d'aller you, and you, we take what God endorsed with the prophet and now we endorse ourselves and say are you la sure it's not God la pensée de Dieu est claire. God's mind is clear. Lorsqu'il a permis avec une personne, tu te permets toi-même. When he allows it with one person, you allow yourself to do it. Alors Saül a reçu l'huile. So Saul received et vous vous souvenez, nous avons dit dimanche dernier que Saül est beau. And remember we saw last Sunday, Saül est grand. Good looking, he's il tall. Est grand de taille. He's tall. Il n'est pas, quand je dis complexé, il n'a pas le complexe d'infériorité. He does not have an inferiority et complex. Et s'il n'a pas le complexe d'infériorité, il a le complexe de supériorité. And if he does not have the inferiority complex, it means he has the il other complex. Il marche carnel que de comme ton père spirituel. When I talk about your father, I mean your biological father and your tu te dis que father. Tu vas fermer sa bouche avec les cadeaux. Je vais parler des cadeaux la dernière fois, n'est-ce pas? You say you will close his mouth with gifts. I told you about gifts the other time. Je non, hey, le vieux là, il veut seulement manger. Donne-lui la nourriture. That il va accepter tout ce que tu fais. He wants money. Just give him money. He will accept everything you do. Mais non, la mère là, non, pardon, en partant, achète-lui seulement quelques pains. Tu vas avoir tout ce que tu that vas. That mother, dire. Même si tu dis n'importe quoi, elle va seulement dire oui. Just buy her wrapper. Anything you say, she will accept. Et alors on commence à acheter les gens autour de nous. So we start buying people around us. Je lisais quelque chose. I read something. C'est Abdou Diouf. By Abdou Diouf. C'est un extrait de son livre. An extract et from il disait book. Que les hommes, il a, says men, les hommes sont ingrats. Men are ungrateful. Ils te célèbrent lorsque tu es dans la position d'autorité. They celebrate you when you're in your position of authority. Il était en position d'autorité, pas encore président, mais longtemps avant qu'il ne soit président. He was in a position of authority before he became president. Il avait peut-être le rang de préfet. He was like an et c'est comme SEO. Ça qu'il a vu, il y avait des gens and there were people qui couraient après, qui lui faisaient, qui faisaient des salamalek. Who flattered him. Oui, qui faisait ses louanges. Who will praise il him? Il avait un griot chaque fois qu'il. Et vraiment, non, je crois qu'il devait être comme maire de la ville. Et vraiment, depuis que Abdou Diouf est le maire de notre ville se porte bien. And he had a flatterer who said, oh, since he became chaque the mayor of this city, chaque fois qu'il le voyait, the city is doing fine. Each time he met il him, il chantait des louanges. He would praise il him. Il chantait des louanges. To sing his praises. Alors, il y avait un grand, c'était un grand imam. And there was a great imam qui avait posé un dossier pour quelque chose. Who had sent a file to him for something. Et cet imam avait du respect pour lui. And this imam visiblement. Had a lot of esteem et for lui aussi, him. Il avait du respect pour cet imam. And he also esteemed that et imam. Lorsque il a su qu'on devait l'enlever, and when he knew that il he a, had to be il a removed, vite traité replaced, le dossier de l'imam. He processed the file quickly. Pour que la personne qui arrive ne complique pas. So that the person who comes later will not complicate mais things. Après qu'on ait annoncé
son changement de fonction, but after his, replacement les gens was announced, ne connaissaient pas sa nouvelle fonction qu'il allait occuper. People did not know the new office he was going to occupy. Il est allé pour voir l'imam. He went to meet the imam. Pour lui dire que je voulais te dire que pour ton dossier là, ne te dérange pas, c'est déjà signé. To tell him, quand celui qui arrive après moi va venir, tu auras. Je voulais juste te rassurer. I just wanted to reassure you. I signed your file before il you. Il est allé so pour voir l'imam. Cannot complicate things for you. L'imam premièrement, l'imam l'a fait attendre. The imam made him to wait. Ce qu'il ne faisait pas souvent. Which he's not après, used to. Finalement, do. L'imam lui a fait dire que il est très occupé. And then the imam asked that he should be told that he's really busy. Il est très occupé pour le recevoir. He's too busy to receive. Il n'est pas sorti lui parler. He didn't come out to parce qu'ils avaient déjà entendu qu'il n'occupait plus le poste qu'il occupait avant. Because they had already heard that he had been replaced. Il a dit, je venais juste pour lui dire que son dossier est prêt. And he said, I just came to tell him. Après, his il s'est dit ready. À lui-même, à quoi ça sert, à quoi bon? And he told him what's the point. Le griot qui lui chantait toujours des louanges. And the person who used to flatter him all the time. L'a rencontré. Met him. Et il s'est détourné. And turned aside. Il n'a même pas voulu le saluer. Did not even want to greet him. C'est comme ça que l'homme est. That's how men are. Et si tu te bats sur tes chevaux et tes chars. And if you find your confidence in your chariots and horses. Sont cassés, and in your crutches, personne when those crutches ne te regarde will be broken, plus. Nobody will look va at you anymore. Va au-delà du titre. Go beyond va your title. Va au-delà de ce que tu vois. Go beyond what you see. Et respecte l'homme. And respect the va human. Va au-delà. Go beyond. Et respecte l'être humain. And respect the human. Et beaucoup d'entre nous, and many of nous us, rêvons seulement nous asseoir à cette position d'autorité là. Only dream of sitting in those positions of authority. Où nous allons malmener les gens. Where we will où nous allons donner les ordres. Treat others anyhow and give orders. N'oublions pas le vrai leadership, c'est le service. Real leadership is service. Le vrai leadership, c'est le service. True leadership is service. Et on apprend le leadership en servant. And you learn leadership by serving. Si tu ne connais pas le cœur de l'homme, if you don't know the heart of man, c'est que tu n'as pas encore été en position de service. Means you've never c'est là been où tu vas voir le véritable cœur de l'homme. That's where you will see the true state of people's hearts. Alors notre roi, so our king, peut déjà s'asseoir avec le prophète. Can now sit at table with the prophet. Parce qu'il est aux commandes. Because he's the king. Verset 10. Chapitre 15, verse 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Quand je lis, je voudrais que tu sentes le cœur de Dieu. And as I read, I want you to feel God's heart. Et lorsque je lis, je voudrais que tu regardes ta vie. And as I read, I want you to que look tu te at your regardes life. Toi-même là où Dieu t'a mis. Look at yourself where God has placed you. En passant, beaucoup d'entre nous ne savons même pas que les responsabilités ou les fonctions que nous occupons, c'est Dieu qui nous a placés là. By the way, some of us don't even know that the positions we occupy are given to us by God. C'est Dieu qui nous donne. It is God who gives them to us, no matter what function or office you occupy. Donc, je voudrais que tu regardes toi-même. Vous savez, quand on lit la Bible, c'est très facile hein, de dire que vraiment Saül là, alors you know, Saül là. When you read the Bible, it's say, ah, Saul. C'est très facile. Very easy. Très très facile. It's very easy. De lancer la pierre à l'autre. To cast stones to on someone else. Mais je ne suis pas en train de parler de l'autre. I'm je not talking parle about toi, someone je else. Parle I'm talking de moi. About you and about me. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Then the word of the Lord came to Samuel, I am grieved that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was troubled and he cried out to the Lord all that night. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé au Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. When Samuel reached him, Saul said, the Lord bless you, I have carried out the Lord's instructions. Samuel dit, qu'est-ce donc que le bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends?
But someone said, what then is this bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. The soldiers brought them from the Amalekites. Saul answered, the soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Stop, Samuel said to Saul, let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me, Saul replied. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Ceux qui sont en train de prendre des notes, quand l'Éternel regrette. When the Lord regrets. Quand l'Éternel regrette. When God regrets. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 18. And he sent you on a mission saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Make war on them until you have wiped them out. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Samuel répondit à Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. But I did obey the Lord, said Saul. I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the people and so I gave in to them. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Now I beg you, forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. But Samuel said to him, I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you as king over Israel. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit,
L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag avança avec vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel repartit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gilgal de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Amen. Amen. Certains d'entre nous, some of us, l'opinion des hommes, the opinions of men, compte plus que l'opinion de Dieu. Matters more than God's opinion. Faire plaisir, avoir l'honneur devant les hommes, being honored before men, compte pour nous, is more important plus to us, l'obéissance à Dieu, than obeying God. L'obéissance à Dieu, obeying God, nous rend prisonniers de Dieu, makes us God's prisoners. L'obéissance à l'homme nous rend prisonniers des hommes. Obeying men makes us men's prisoners. L'obéissance à Dieu nous rend prisonniers de Dieu. Obeying God makes us prisoners to et God. Nous met au-dessus des situations. And places us above situations. Soumettez-vous donc à Dieu. Submit yourselves therefore to God. Résistez au diable. Resist the devil. Et il fuira. And he will flee. On se soumet à sa main, sous sa main puissante. We submit under his mighty hand. On se soumet à sa voix. We submit to his voice. Et c'est ça qui nous élève. And that is what lifts us ça, up. C'est le standard divin. That is the divine standard. Le standard divin ne fait pas de compromission. In the divine standard, there is no compromise. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou que ce soit dans la nouvelle alliance, be it under the old or the new Dieu covenant, tient à être obéi. God wants to be obeyed. Dieu c'est un roi. God is a king. Dieu c'est le roi de l'univers. God is the king of the universe. C'est lui qui est le roi de tous les rois. He is the king of all kings. Et si tu dis que tu es un roi, and if you say you are a king, ça veut dire que tu as été établi par Dieu. It means you were established by God. Une des choses que nous disons maintenant, one of the things c'est que we nous say sommes now, un sacerdoce royal. Is we are a royal priesthood. En d'autres termes, nous sommes des rois et des prêtres. In other words, we are priests and kings. Et nous aimons bien dire que nous sommes des rois et des prêtres. And we love to say that we are mais kings and priests. Mais on ne devient pas roi et prêtre juste comme ça. But we don't become a priest or a king just parce like that. Parce que pour être un prêtre, because to be a priest, il y a des choses qui sont attendues de toi. There are things expected of you. La même chose pour être un roi. And when you're a king, il y a des choses qui sont attendues de toi. There are things expected of you. Que ce soit le roi ou que ce soit le prêtre, be it the king or the priest, il est attendu de toi d'obéir à l'Éternel. You are required to obey the tu Lord. Ne vas pas dire que parce que moi je suis un roi, you will not say because je I'm n'obéis a king, à personne. I won't obey anyone. Et tu ne vas pas dire que parce que je suis prophète, and you will not say because je I'm a prophétise prophet, de moi-même. I prophesy of my own. Par la suite, vous allez vous rendre compte, you will realize later que on, lorsqu'il fallait oindre David, that when he came to anointing David, le roi, le prophète a fait, c'est-à-dire que a fait faux 7 fois. Even the prophet ou made a mistake fois,
Six times. Parce qu'il faut entendre clairement la voix de Dieu. Because you need to hear the voice of God clearly. De la même façon que le roi doit entendre clairement la voix de Dieu. The same way the king must hear the voice of God clearly. Le prophète doit entendre clairement la voix de Dieu. The prophet must hear the voice of God clearly. Alors si tu es un sacerdoce royal, so if you are a royal priesthood, il est attendu que tu entendes Dieu clairement. You are required to hear God clearly. Et beaucoup d'entre nous naviguons dans le flou. And many of us are nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. We don't know what God expects nous of ne us. Sommes même pas sûrs d'avoir entendu la voix de Dieu. We are not even sure we have heard his voice. Alors nous allons là où le vent nous amène. So we go to where the wind pushes us. Nous ne sommes pas sûrs. We are not sure. En fait, nous ne sommes même pas assez patients. In fact, we are not patient enough. Je voudrais que vous regardiez le scénario. I would like you to look at the scenario. De la vie du prophète. Look at the life of the prophet. Le prophète doit entendre de Dieu. The prophet must hear God. Il doit déclarer la parole de Dieu. He must declare the word of God. Sans avoir peur de l'homme. Without fear of man. Dès que le prophète commence à avoir peur de l'homme, as soon as the prophet starts fearing man, soit il est corrompu, either he's corrupt, n'est-ce pas? Il va être corrompu. He will be corrupt. Pour déformer ce que Dieu a dit. If he gets corrupted, ou alors il va être haï. Or he will be hated. C'est pour ça que l'alliance qu'il y a toujours entre l'église et la politique, c'est une fausse alliance. That's why any covenant between the church and politics is a false covenant. C'est pour ça que les pasteurs qui sont toujours à côté des politiciens, c'est une fausse alliance. That's why pastors who are always with politicians is a false covenant. Les gens qui vont toujours vous dire non, on prie pour les autorités. La Bible dit de prier pour les autorités. Ils cherchent seulement leur ventre. The Bible says we should pray for authorities, but they are with the authorities for the sake of their belly. Il faut être un prophète qui peut déclarer la parole de Dieu. You must be a prophet who can declare the word of God. Sans avoir peur du roi. Without fearing the king. Et si tu le fais, and if you do le that, roi ne va pas t'aimer. The king will not like you. La preuve. The proof. Viens, il dit à Saül, je vais te déclarer. Il dit, parle. Yeah, but he tells Saul, I want to tell you the word of the Lord. Il y a plus cette attitude de soumission. There's no attitude of reverence. Là de la révérence vis-à-vis de la parole de Dieu. There's no attitude of reverence faced with the word alors, of God. Alors si tu es trop proche, so if you're too close du pouvoir, to power, tu dois t'armer. You must tu arm dois yourself. Aimer Dieu. You must love God. Pour ne pas lui désobéir. In order to tu not dois disobey. Aimer Dieu. You must love pour God. Être prêt de perdre cette relation. So that you're ready to lose that relationship. Parce que c'est vrai, Dieu peut te rapprocher du roi. Hein? Because it's true, God can take you close mais to the il faut king. Être prêt de mourir. But you must be ready to die. Il faut être prêt. Parce que le roi est prêt de t'acheter. You must be ready because the king is ready to buy you. D'argent. He will give you boxes of et money. Lorsque tu as reçu les cadeaux. And when you receive gifts. Vous savez, lundi dernier. Last Monday. C'était lundi dernier. C'était l'anniversaire de la grande. Was la grande's birthday. Et on lui dit donc joyeux anniversaire. And we told her happy birthday. Et un de ses frères lui dit, on a prêché hier contre les cadeaux. And one of her brothers said, elle n'a rien demandé. Yesterday we preached against it. Non, les cadeaux. So yesterday they preached donc against it. Donc n'attends rien de nous. Les cadeaux, on ne te donne pas. So we are not giving you any gifts. On a dit qu'il ne faut pas être friand de cadeaux. Don't look for gifts. That's what we were told. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus donner les cadeaux à quelqu'un. But that does not mean you shouldn't give gifts to someone. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens là qui sont d'abord eux-mêmes très chiches. Because there are people who are very stingy. Et quand on prêche comme ça que les cadeaux corrompent, il dit que moi je ne donne plus alors les cadeaux. And when we preach like this that gifts corrupt, I say thankfully I won't give gifts anymore. Il faut être celui qui donne les cadeaux, mais pas pour acheter les gens. You must be the one who gives gifts, not to buy people. Amen. Amen. Alors si tu ne peux pas parler au roi, so if you cannot speak to the king, peut-être le roi t'a déjà acheté. Maybe the king has already bought you. Il suffit de on te donne même un bon terrain bien situé là, ou alors on te construit une maison, on te donne all les clés. Oh, he just needs to do, give you a good land in a good position, or give you a house. Tu veux que parle mal de mon bienfaiteur? Il n'est pas question de parler mal de ton bienfaiteur. It's not about speaking ill si of your benefactor. Si tu veux lui faire du bien, if tu lui dis la pensée de Dieu. Tell him the mind of God. Et je veux dire que ce n'est pas facile. And I'm trying to tell you that it's il not faut easy. Aimer Dieu. You must love God. Pour le faire. To do it. Amen. Amen. Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas se tromper. God. Don't deceive yourself. Il faut aimer Dieu pour le faire. You must love God in order to parce do it. Parce que le frère là va te demander que moi je te dépense. C'est à moi que tu parles comme ça. Because that brother je vais te couper you, les vivres.
Is it to me that you're talking like this? Si I'm always, je ne donne pas mon argent, là, tu seras. I'm always dashing you money and you talk to me like this. Well, if I don't give ta you money, where will you be? Dans ma main. Your life is in my hand. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire vivre comme de te faire mourir. Don't you know that I have power to make you live and to make you et die? Et tout de suite tu te tais. And then you become silent. En tout cas, je voulais seulement te dire, je suis pas sûr d'avoir entendu bien. Say, mais I just wanted to tell you, bon, I'm not even sure. Hein, si tu es offensé, I'm not even sure God really said it. Please la forgive me. La preuve même c'est que entre nous, on n'aime pas se dire les vérités. And the proof is that even among ourselves, we don't tell each other the truth. Amen. Amen. Vous me suivez? Are you with me? Alors, pour être un prophète, in order to be a prophet, tu dois entendre Dieu. You must hear tu God. Dois être courageux. You must be donc, courageous. Chaque fois que tu dis, utilise-moi, Seigneur. So each time you say, Lord, n'oublie use pas me. Que nous sommes un royaume de rois et de sacrificateurs. Don't forget that we are a kingdom et of les rois et le sacrificateur doit être courageux. And kings and priests must be courageous. Parce qu'ils représentent Dieu, c'est la voix de Dieu. Because they represent ils God, they have parler his voice. De la part de Dieu. They must speak on God's behalf. Alors le roi est venu lui dire. So the king came and told him. C'est ça être prophète. That is what it is to be a prophet. Les prophètes la plupart du temps sont célébrés après leur mort. Generally, prophets are les celebrated vrais prophètes after sont célébrés après leur mort. True prophets are celebrated after their et ils sont haïs pendant le temps de leur vie et de leur ministère. And they are hated in their lifetime and during parce their ministry. Parce qu'on leur dit que oui, tu ne prophétises que le malheur. Because they are told you prophesy only evil. Et vous savez, il y a un roi comme ça dans la Bible qui connaissait c'est très bien ça. And there's a king in the Bible who knew this very et well. Il a appelé les prophètes. He called for the prophets. Venez me donner la pensée de Dieu. Come and tell me the mind et of God. Et les gens commencent à lui dire, mort au roi. And they said, go up, king. Qui est fort comme toi? Who is like you? C'est personne. Nobody. Tu vas aller, tu vas gagner. You will go and you will tu conquer. Tu vas gagner. Il les écoute tous. Listen to them all. Dans son cœur, il dit, bande de menteurs. And his mind, he says, bunch of liars. Je sais que vous faites comme ça seulement pour que je vous donne vos enveloppes. I know you're doing this because you're waiting for your envelope. Bande de menteurs. Bunch of liars. C'est comme ça que chaque fois quand tu vas entrer dans le bureau de quelqu'un, même quand Dieu vient de te dire quelque chose, that's how each time you enter someone's office, j'appelle la promotion, j'appelle la promotion, je vois la promotion. Tu ne vois rien. You see promotion. You are not seeing anything. Je vois la promotion, je vois la promotion. Le Seigneur me dit qu'il me dit, je vois. Un fauteuil. I see a throne. Tu ne vois rien. You are not seeing anything. Tu vois seulement l'enveloppe. You only see your envelope. Je ne vois rien. You're not seeing anything. Je vois. Arrives, Dieu te dit, quelquefois tu as même le courage. Vous savez que chez nous là, il y a des gens qui se sont levés. Bon, dans certains, on ne dit pas comme ça. On dit que dans un pays. In a country? Le Gondwana. Ah, ok, yes. Les hommes de Dieu. Men of God. Ils se lèvent. Rise up. Pour aller voir le roi. To go and meet the king. Et quand ils arrivent, when they get there, la façon dont le sol est d'abord ciré, the way the floor is polished, ça les distrait, ils oublient leur message. It distracts them and they forget the message. Quand ils s'asseyent sur la chaise, when c'est devenu les demandes, on appelle ça quoi? Les doléances. And your message is transformed into request. Les doléances au roi. Request to le the message king. S'est transformé en doléance. The message has been transformed into a request. Ce n'est pas facile d'être prophète. Hein? It's not easy to be a prophet. Pour être prophète, tu dois beaucoup aimer le Seigneur. To be a prophet, you must love God very much. Et ce n'est pas facile d'être roi. And it's not easy to be a lorsque king. Lorsque tu es roi, le pouvoir saoule. When you're a king, dis à ton voisin, le pouvoir peut te saouler. Power can make you drunk. Dis-lui bien, il n'a pas entendu. Tell your neighbor well. Certains d'entre vous avez même peur de vos voisins. Some of you are even afraid of your neighbor. Tu as peur de lui dire que le pouvoir peut te parce que la carte qui va te regarder d'abord. Dis à ton voisin, tu es dans la maison de Dieu, il ne va rien te tell faire. Dis-lui que le pouvoir peut te the house of God. Power can drunken you. Le pouvoir peut te saouler. Power can drunken you. Le pouvoir corrompt. Power corrupts. Très facilement. Very easy. Vous savez qui peut le plus, peut le moins. You know the person who can do more. Tu regardes tout ce que tu peux faire. You look at all what tu you can peux faire et défaire. You can make and you alors can do je n'ai plus besoin de Dieu. So I don't need God anymore. Claquement de doigts, les choses se font. You click your finger tu and appelles things là-bas, are done. On a déjà fait. You call there and it's on done. A déjà obéi. You call left and it's tu fais done. Comme ça. Alors tu te dis que même ton roi, ton prophète va t'obéir. Tu fais pas.
And you tell yourself, ah, even your prophet will obey you. Il n'a même pas le droit de se fâcher. You say he has no right to get angry. Et c'est ça le roi. That's the king. Être roi. Being a king. C'est avoir l'argent. Is being wealthy. Qui ne veut pas avoir l'argent ici? Who does not want to be wealthy qui here? Qui lève humblement la main? Just raise your hand humbly. Quand Dieu va te donner l'argent, when God makes you tu wealthy, te rends compte que tu peux faire et défaire. You realize that il y a les choses que l'argent peut faire. You can do and undo. Et puis tu commences à parler aux gens, tu n'ajoutes plus s'il te plaît. And you start speaking to people without saying please. Tu ne dis plus s'il te plaît. You stop saying please. Si seulement, prends-moi mon sac là. You say, bring my bag for me. Et tu oublies, tu envoies même ton mari, prends-moi mon sac là. And you even send your husband, bring my shoes for me. Est-ce que vous savez que le roi? Do you know that the king? Ton mari c'est ton roi. Entre, c'est juste une parenthèse. This is an ton mari peut te servir. Your husband can serve you. Mais tu ne l'envoies pas. But you don't send him. J'ai dérangé. Ton mari peut te servir. The husband can serve you. Mais tu ne l'envoies pas. But you don't send him on errands. Chérie, honey, va dans la chambre là. Go to the room there. Tu as vu au niveau où j'ai mis ma chaussure bleue. You see where I've kept my blue shoes. Tu me prends mon truc qui est tombé là. Take that thing that has fallen behind the shoes. Please come and give me. On fait ça alors. Do you do that? Donc quand tu as l'argent, non? So when you're wealthy, tu envoies chérie, tu as vu la liste que j'ai laissée là sur la table au marché. Tu dis au boucher que c'est moi qui t'envoie. Honey, take that list on the table, go to the market. When tu veux dire que c'est toi mon mari, il va te reconnaître. When you want to buy meat, tell the butcher that I'm the one who has sent you. Chérie, n'oublie pas les condiments. Honey, don't forget green spices. Il va partir. Je veux dire que il peut te servir. He can serve you. Mais tu ne l'envoies pas. But don't send him to do it. C'est juste un signe de respect. As a sign of respect. Même si te lave les habitudes, il va pas dire que ouais, tu as lavé les habitudes, tu n'as pas vu ça. Even if he washes your clothes, don't say, did you not? You washed my clothes. Did you not see this one? Et ça c'est la maladie des rois. And that's the disease les of rois, kings. C'est ceux qui travaillent. Kings c'est are ceux those, qui vont dans les conquêtes. Those who c'est go ceux to qui conquer. Savent qu'ils font la vie. Those who know that they make up life. C'est eux les rois. That's kings. C'est le roi Saül. King Saul. Tu ne dois pas lui parler, hein. You can't speak il doit to him parler anyhow. Au prophète. Oui, parle. He says, he tells the prophet, yes, speak. Il oublie que c'est le prophète qui lui a versé l'huile. He forgets that it's the prophet who anointed him. Quand tu es roi, when you're king, tu parles à ta mère n'importe comment. You speak to your mother anyhow. Alors la vieille, tu es où? Donc quand nous disons que nous sommes un royaume de rois et de sacrificateurs, de sacrificateurs et de rois, a kingdom of nous devons bien comprendre. We must understand it well. Et les choses que je dis, ce ne sont pas les choses que dans l'Ancien Testament on faisait comme ça, dans le Nouveau Testament, non, c'est établi, c'est comme ça. Old Testament, this was done, the New Testament, et this si nous is devons done. Marcher avec Dieu, across nous devons marcher dans l'obéissance. And if we want to walk le with God, roi we must tient compte trop de l'honneur des gens. The king considers the honor et je voudrais que vous regardiez ce qui se passe avec Saül. And I would like you to see what happens with Saul. Lorsque le prophète vient lui annoncer sa déchéance, when the prophet came to announce his fall to him, il ne pleure pas sur lui-même. He does not cry il dit for seulement him, que himself. Non, ne me laisse pas. He just says, no, don't il ne leave faut me. Pas que les gens voient que. Please, people should not see that. Les gens ne doivent pas voir. People should not know that. Les gens ne doivent pas voir que tu es contre moi. People should not que know that, you're against, that God plaît, is against me. Please. Est-ce que vous savez que Saül a continué de régner combien? C'est 40 ans. Do you know that Paul Saul continued après reigning que Dieu l'ait rejeté, for 40 years after God had rejected him?
Vous qui pensez que quand Dieu t'a rejeté, tu quittes du coup du trône. You will think when God rejects you, you just fall and die immediately. God can reject you and you're still in ministry. Tu peux rester au pouvoir. In power. Même si Dieu t'a rejeté. Even if God has rejected you. Et même lorsque David a été où il a dit que je ne le touche pas. And even when David was anointed, he said, I will not touch him. C'est pas à moi qu'on va demander sa mort. I'm not the one who will kill him. Mais il est resté là 40 ans. He stayed there for 40 years. Dieu l'a rejeté. God had rejected him. Dieu a divisé le royaume. God had divided the kingdom. Il est resté là. He was still in power. 40 ans. For 40 years. Pour les gens. Before, il ne faut pas qu'on for the sake sache. Of people, it shouldn't be known. Et la parole de Dieu nous dit. And the word of God tells us. Que l'homme de Dieu ne l'a plus vu jusqu'à sa mort. That the man of God did not show himself to him until he died. À quoi ça sert de vivre dans le regret de Dieu? What is the point of living in God's loin regret? De la présence de Dieu. Far from God's presence. À quoi ça sert d'être applaudi des hommes? What's the point of being applauded by men? Et être rejeté de Dieu. And being rejected by quand God. Dieu ne te parle pas. When God doesn't speak peut-être to you. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore arrivé à un point de désespoir où vous voulez à tout prix entendre la voix de Dieu. Maybe some of you have not gotten to a hopeless situation where you need to hear God's word. Peut-être God's aussi parce voice. Que vous vivez sans entendre sa voix. Donc, vous vivez votre vie, qu'il parle ou qu'il ne parle pas. You've been living your life without hearing his voice. Whether he speaks, he doesn't speak, it doesn't mean anything to you. Vous vivez votre vie. You're living your life. Je fais quoi? Je viens à l'église, non? I come to church, right? Pour vous, le sacrifice c'est mieux que l'obéissance. Sacrifice is more la important than obedience. La dernière chose que you. Dieu t'a dit depuis, tu ne l'as pas fait. The last thing God told you since you've not done it. Il t'a parlé depuis. He told you. Il attend que tu t'exécutes. He's waiting for tu you to obey. Tu as mille et une choses. You have a thousand and one things. Saül a dit à Samuel. Saul told Samuel. J'ai obéi à ce que tu as dit. I obeyed what you said. J'ai dévoué par interdit, mais c'est seulement que j'ai enlevé ça. I killed them all. It's just that. C'est seulement que là. Just that. Vous pensez que l'obéissance c'est quoi? L'obéissance, la marche avec Dieu, c'est dans les petites choses. Walking with God is in the small things. Mais nous passons le temps à justifier. But we spend time justifying dans ourselves. Dans la vie, c'est les petites choses qui font les grandes. In life, it is the little things that make the c'est good things. C'est les petites choses que nous faisons chaque jour qui créent des habitudes. It is the little things we do every day that make up our habits. Montrer à l'enfant qui n'a rien à faire à la maison, il ne sera jamais habitué à travailler. Show a child that he does not need to work at home and he'll get montrer à l'enfant que la prière n'est pas nécessaire. Et même quand il sera grand, il ne va pas prier. Show a child that prayer is not necessary when he grows parce up. Parce que c'est he will les petites choses qui font des habitudes. Because it is the little things that make up our habits. Les petites choses, petites choses. Things, c'est pour things. Ça qu'on va toujours vous dire, levez-vous. That's why we always say, sinon stand vous up. Allez prendre l'habitude de toujours adorer le Seigneur, if not, les bras croisés you comme will develop en tout the habit cas, un roi qui parle of, à un autre roi. Of worshiping God with crossed feet like a king talking to another king. Et lorsque vous aurez pris cette habitude, and when you develop this habit, ça ne va plus vous faire quelque chose. You no longer mean anything d'adorer to le you. Seigneur assis. Worshiping God seated. Et nous allons développer des théories comme and we will develop theories like mais je lève les mains dans mon cœur, non? I'm lifting my hands in my heart. Parce que du coup notre cœur a les mains. Because our hearts now have hands. Notre cœur a les pieds. Our hearts have quand dit, legs. Quand on dit sauter pour Jésus. When we say jump for Jesus. Je saute dans mon cœur. I'm jumping in my heart. Et tu vois seulement la tête and qui you just bouge. See the head. Quand on dit chante, up and down. When we say je sing, chante dans mon cœur. I'm singing in my heart. Prie, ouvre ta bouche, déclare open les choses. Your mouth and pray. Je prie dans mon cœur. I'm praying in my heart. Et tout se fait dans le cœur. And everything's now done in the heart. Et ça, c'est les habitudes des personnes qui n'obéissent pas promptement. And those are the habits of people who do not obey promptly. À la maison avec mes enfants. At home with the children. Je les regarde. I look at them. Quand je les commissionne. When I send them. Je prends l'argent. I take money. Je mets comme ça. And give. Quelquefois, je n'appelle pas le nom de quelqu'un. Sometimes I don't call anybody's name. Je dis montez, allez m'acheter ceci. I say go and buy this for me. Ils ne prennent pas. They don't take it. Je pars. I go. Et quand je tourne le dos pour partir. And when I turn my back to go. C'est là où ils commencent à courir pour that's when they start running behind me. Arracher l'argent. To seize the money. Je dis pas besoin. I
I say, no need. Je pars. I'm going. J'ai encore les pieds. I still have legs. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. And that's what God does with nous us. Nous pensons souvent être indispensables. We often think we are indispensable because quand Dieu dit fait quelque chose, when God says, tu trouves mille et une raisons pour lesquelles la chose ne doit pas être faite. You find a thousand and one excuses why you cannot do et it. Et on pense que Dieu ne peut pas se chercher quelqu'un d'autre. And we think God cannot use Dieu someone va se chercher quelqu'un d'autre. God can use someone Dieu else. Va te dire pardon, laisse-la. God will say, please leave il ne va pas changer ton nom. He won't change tu your vas toujours name. Te présenter comme l'enfant de ton père. You will still be called the tu child vas toujours of your habiter father. La maison là. You will still live in your father's mais house. Dieu ne compte plus sur toi. But God is no longer il t'a counting déjà on tourné you. Le dos. He's turned his et back beaucoup on d'entre you. Vous, and many of il y a you. Des gens qui viennent prendre, que je dise comme ça, prendre vos grâces. There are people who come and collect your grace. Prendre vos gars, vous savez, tu peux donner à un enfant l'héritage. You know, you can give an inheritance to a matériel. Child. A material inheritance. Mais cela ne fait pas, ça veut dire que cela ne fait pas de lui l'homme qui doit être pour gérer cet héritage. But that does not make him the person who will manage et that inheritance. Et les gens que vous hébergez chez vous. And the people you host at home. Les gens à qui vous voulez transformer. You transform them en domestique. Into house helps. Quand on dit allez faire ça, c'est vous, c'est la personne là que vous envoyez. When they say, vous ne savez pas que vous send that person. De la grâce. You don't know you're cutting yourself même off quand vous ménagez vos enfants. Even when you protect your children, de la grâce. You're cutting them from la grace. Même chose à l'église. Same thing in church. Assois-toi là et ne fais rien. Sit there and don't il do ne faut anything. Même pas que quelqu'un te parle. Nobody should si even speak to te you. Parle, if someone speaks tu to you, le mettre à ta place, à you sa put place. Him in his place. Tu vas lui dire tu me connais. You say, do you know me? Tu vas lui rappeler tes diplômes. You remind tu vas lui rappeler certificate. Que je viens même ici. C'est ça. Il y a beaucoup d'églises. Hein. I say there are many je peux churches. Aller ailleurs. I can go to another je viens church. Ici, vous n'êtes pas content. I'm coming here and you're not happy. Et je viens là, je m'assois, vous voulez exiger qu'il faut que until I'm coming and sitting here, you want to tell me to work. Pour venir travailler, pour faire quoi? Come and work. Il faut être content que je sois là. You should be happy that I'm coming here. Assois-toi là. Keep sitting mais la there. Grâce, the grace. La grâce là ne se communique pas par imposition de main. Grace is not transferred by the laying on of hands. C'est spirituellement que ça se communique. It is transferred spiritually. C'est pour ça que vous pouvez rester dans une maison 10 ans. That's why you can stay in a house votre for 10 years. Votre vie ne change pas. Your life remains les the same. Les gens viennent d'ailleurs. People come from elsewhere. Ils se connectent. They get connected. Pas avec l'argent, hein. Not with money. Mais avec le service. But with service. Avec un cœur qui est bon. With a et right toi, heart. Et toi tu es là. And you tu are there. Les archivistes. You are tu connais tout. Archivist. L'histoire de tout le monde. The story et of everybody. Et tu es assis. Rien n'ébranle. Nothing moves ils sont restés assis. Keep les sitting. Gens viennent et prennent la grâce. People come and receive grace. Et ils partent. And go. Et quand il est venu, il a dit que je suis de passage. And when he came, he said, mais I'm il n'a pas by. Ménagé son épée. But he did il not n'a pas privé son épée du carnage. He did not spare his sword. Et toi, tu es là, tu dis que tu es de la maison. And you are there, you say you are of the house. Les gens qui cherchent la paternité, là, vraiment travailler. Those who are trying to get paternity moi, or nationality, de go ahead and walk. I am the daughter of the apostle. J'ai son numéro. I have his phone number. Je parle avec lui quand je veux. I talk to him when I want. Quand je dois aller dans son bureau, il me donne le temps. When I want to go to his office, he gives me la time. La porte très bien. The apostle is nice, so. La porte très bien. He's very nice. C'est seulement maman là que. It's just mommy that. Mais la porte, lui, il est gentil. But the apostle is very nice. Maman là, t'as dit que c'est comme si ça la dérange que tu sois toi là. Mommy is as if. Il faut toujours qu'elle te donne le travail. A problem that you are sitting there. Alors she always wants to give you work. La porte lui n'a pas de problème. But the apostle does not have any problem. C'est vrai non? It's true, right? Restez. Keep sitting. Les gens vont venir. People will come. Ils vont prendre vos grâces. They will recollect your grace. Et partir avec. And go away with le it. Le leadership c'est le service. Leadership is service. Venez rester à côté de l'apôtre. Come and stay by restez the à côté the de maman apôtre. Stay by maman my mama pastor. Apostle. Mama pastor. Senior pastor. Senior pastor. Mama bishop. Tenez tous les noms. C'est moi sa dame de compagnie. Ne faites rien. Don't do anything. Votre vie va rester la même. Your life will remain the same. Votre vie va rester là. Your life will et vous remain allez dire vraiment. C'est, pas, say, ah. C'est comme si les gens qui sont toujours à côté de l'apôtre là. It's leur vie n'avance pas. Hein. Who are beside the apostle, si your life tu as pensé comme ça. Hein, if you think like that, il faut revoir ton cœur. Revisit your heart. Vraiment, quand on est à côté de la porte, là, on a les combats. Je ne sais pas si vous sentez comme moi. Vous sentez ça? Les combats. It's like we were by the apostle. We have battles. Les I don't combats. Know if you are feeling it like me. Les combats. Battles. Non, je préfère moi rester loin haut. I prefer to keep my distance. Les choses que tu vas trop t'approcher comme this ça. This thing that you go too close tu like this. Tu n'es fidèle nulle part. You're not faithful anywhere. Parce que tu travailles pour l'apôtre. Because you're working for the apostle. Et l'apôtre lui il est gentil. Papa gentil ne se fâche pas non. The apostle is nice. Et tu crois que c'est lui. He never gets quand l'apôtre a mis son cachet, Dieu a mis son cachet. And you think when the apostle puts his stamp, God has approved. Tu n'es nulle part.
You're not anywhere. Quand on dit soyez fermes, inébranlables, travaillant de nuit. Tu n'as aucun travail, tu chantes seulement travaillant de nuit. You're not doing any work, you're just singing about c'est work. C'est pour que les autres entendent travaillant de nuit, travailler. Everybody should hear and work. Pour être roi, c'est pas facile. Being a king is not pour easy. Pour être roi, il faut apprendre à obéir. To be king, you obéir must à la voix de Dieu. Learn to obey vous the savez voice quelquefois of les voix de Dieu. You know sometimes quand the tu suis of Dieu, God, tu as l'impression que tu vas perdre. When you follow God, you have the impression that you will lose. Tu as l'impression que tu perds. You have the impression that you are losing. Tu as l'impression que Dieu ne réfléchit pas. You have the impression that God does not. You are not thinking. Okay, la that God is not thinking. Six jours. The 6 days battle. 6 day battle. Ça s'est passé comme quand on a pris Jéricho. Was just like when they overthrew Jericho. Parce que les instructions de Dieu sont bizarres. Because God's instructions are weird. Dieu va te dire ne dis rien. God tells you don't marche say anything. Seulement. Just walk. Marche. Just walk. C'est ce que Dieu leur a dit non. That's what God told pendant them. Pendant 7 jours. For 7 days. Personne ne parle. Nobody should speak. Vous faites le tour. Just go around, c'est march quoi cette around. Instruction là? What kind of instruction? C'est quelle qualité that? De guerre comme ça? What kind of war is on that? Ne vous dit pas que positionnez-vous. They don't tell you position vous faites yourselves. Comme ça. Dieu dit que marche. God says walk. C'est pour ça que j'aime l'instruction que Dieu lui a donnée à l'apôtre quand il a eu, quand il a amené dans le la salle du trésor. That's why I like the et qu'il voyait les, les ballots d'argent. God told, Dieu lui a dit monte. He went to the treasure. God said go et up. Et danse dessus. And dance on them. Il a commencé à danser. He started dancing. J'ai dit, j'espère que tu as dansé jusqu'à transpirer. Tu danses. I told him, I hope you danced until you sweated. Parce que Dieu va te dire, il va dire au roi, prends la flèche. Take prends. An arrow. Allez, lance les flèches. Shoot arrows. Tire. Shoot. Et il a tiré combien de fois? And he shot. 3 fois. 3 times. Dis que mais il fallait continuer de tirer. You should have continued shooting. Qui t'a dit d'arrêter? Who asked you to il fallait stop? Continuer de tirer. You had to continue shooting. En d'autres termes, in other words, l'obéissance c'est comme ça. That's how obedience c'est progressif. Works. It's progressive. C'est pas que j'ai obéi une fois. Not I obeyed j'ai one obéi time. Aujourd'hui. I obeyed ça suffit today. Pour toute la vie. It's enough for j'obéis life. Aujourd'hui. I obey today. Je grandis. And I grow. J'obéis demain. I obey tomorrow. Je grandis. And I grow. Le jour qui suit. The following je grandis. Day, I grow. Il a dit tire. Said shoot. Tire. Shoot. Si. Shoot. Et les instructions de Dieu sont bizarres. And God's instructions are bizarre. Les instructions de Dieu sont bizarres. God's instructions are strange. Les gens, t'as dit qu'ils gagnent la guerre en criant. They win a battle by shouting. Mais avec Dieu, c'est ça. But that's how it is with God. Et Dieu t'a donné une instruction. God has given you an instruction. Tu n'as pas obéi. You've not obeyed. Tu as dit ça va faire quoi? You say what will it change? Dieu t'a donné une instruction simple. God gave you a simple instruction. Beaucoup d'entre vous, vous voulez être. Many vous savez, you, je veux parler de quelque chose, c'est-à-dire que, une chose où Dieu m'a repris. I want to talk about something God rebuked me about. Nous sommes là, nous prions. We are nous praying. Voulons être des millionnaires. We want to be millionaires. Et puis, comme maintenant, on nous enseigne que nous devons être riches pour Dieu. And then now we've been taught that we must be rich for God. Nous commençons à dire, Seigneur, c'est pour toi que je vais être millionnaire. Say, Lord, it's for you that I want to be a millionaire. Nous changeons notre sujet de prière. We change our prayer. Nous disons, Seigneur, c'est pour toi, donne-moi l'argent. Say, Lord, it's for you, donne-moi give me money. Donne-moi l'argent, Seigneur. Make me wealthy. Donne-moi l'argent, Seigneur. Make me wealthy. Et puis, les gens viennent, commencent à venir nous demander les choses. And then people come and start asking us for things. Et puis je commence à me plaindre. And I start complaining. Je me plains une fois. I complain once. Je me plains deux fois. I complain twice. C'est pas quelqu'un qui me parle. It's not someone speaking to me. C'est Dieu lui-même qui me parle. It's God himself speaking et to me. Et il me demande que et tu veux donc gérer quoi? Donc tu veux tu ne peux pas donner à tel you cannot donner à tel give. Et tu veux que je te donne mon argent? And you want me to give you tu my veux que money. Je te donne mon coffre? You want me to give you my safe? Pour que tu gères? For you to manage? C'est pour qui tu veux? Pour qui? Pour toi ou bien pour les autres? Do you want it for yourself or for others? Et beaucoup d'entre nous faisons ça. Many of us do that. Seigneur, je veux. Tu commences d'abord. Il va d'abord te donner une personne.
He will start by giving you one person. Tu es fidèle à gérer la personne. And he sees that you're faithful in managing that person. C'est pas que tu donnes quand tu vas donner 10 000 à la personne. J'ai dit hein, c'est quoi hein, tu lui lances une parole. You give the person 10,000. Quand elle va venir avec une chose de 25 000. When the person comes with the 25,000, c'est moi celle que tu as vu ici. Am I the only one that you have seen here? Tu lui donnes quand même, mais tu ajoutes toujours les paroles. You give with complaints on top. Après tu te plains. J'ai dit hein, mon agent va finir. Vous pensez que j'ai même un carton d'argent ici? Do you think I have a tree of money here? Alors que tu lui as dit que tu veux gérer son agent. Whereas you're telling God I want to manage. L'argent il te donne. He takes his money et il te and dit que j'ai mon argent. He says, manage my money. Et il t'envoie les gens. And he sends people to you. Tu commences à te plaindre. You start complaining. Vous êtes comme ça. Beaucoup d'entre nous sommes coupables de ça. Many of us are guilty of that. Non, pardon. Quand il me donnait mon argent, tu étais là. Were you there when he was pardon, giving me my moi money? J'ai mes projets. I have my project. Tu as oublié que tu as dit Seigneur, donne-moi l'argent. You forget that you've asked God to entrust His money to you. Tu t'es plaint une fois, deux fois. You complain once, pas twice. Chercher quelqu'un d'autre qui est prêt à donner. He will look for someone else who is ready to give. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? What is the instruction God gave La dernière you? Instruction, est-ce que tu as obéi? Did you obey the last instruction He gave you? Certains d'entre vous, Dieu te donne même, il te dit même que donne l'habit ici à tête. Il dit, ah vraiment, moi j'aime pas donner les habits que j'ai apportés aux gens. Hein, vraiment, tu commences à développer des théories. Give this outfit to someone and pourtant say, c'est ton habit like là qui devait aider la personne. Dieu a prévu que ce soit toi qui aides la personne. Whereas God wanted to give that interest mais tu as to that développé des théories de bienfaiteurs. Pourtant tu n'es jamais allé au marché acheter un habit neuf pour donner à quelqu'un. Mais you tu dis vraiment a theory, you don't like to give used clothes to people and you've never bought a new dress to give somebody. Les habits qu'aider à porter à quelqu'un. I don't like to give people dresses and have one. Pas donner les habits qu'aider à porter. Tu as déjà acheté pour donner à qui? Have you ever bought to give to someone? La dernière instruction c'était quoi? What was the last instruction? Tu ne l'as pas fait. You've not obeyed. Et tu veux grandir. And you want to grow. Je veux te dire, je sais pas, je veux que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui. I want God to speak to your heart today. Est-ce que Dieu regrette? Does God regret d'avoir fait de toi ce que tu es? Does he regret making you what you are? De t'avoir doté de tous ces dons? Does he regret giving you all those gifts? De t'avoir mis dans la fonction dans laquelle tu es? And placing you in the office that you hold? Est-ce que tu fais regretter Dieu? Do you make God regret? Beaucoup d'entre nous, Dieu regrette. And in many of our cases, God regrets. Et comme Saül, like Saul, nous préférons rester 40 ans sans la présence de Dieu. We prefer to rule for 40 years. Mais pourvu que God's les gens voient comme si on est à notre place. As long as men see us as being in our place. Parce que tu ne peux pas expliquer comment tu vas dire à un roi de tuer les vaches grasses. Because you don't know how to, you will tell a king to kill. Le roi n'a pas conçu ça. Il a dit que non. The king dans ma not réflexion, moi said, no. J'ai vu que c'était bien qu'on garde ça pour Dieu. He said, I prefer to keep this for God. On t'a dit tu, ce n'est pas bon. He said, kill, it's not good. Ce n'est pas tout qui est bien. It's not everything that is good. Ce n'est pas tout qu'on prend. It's not everything that you should take. Même si tu crois que Satan a volé c'est un peu certain de tes choses, ce n'est pas tout que tu prends. Even if you think Satan has stolen some things from you, it's not everything that you should collect. Je m'adresse à quelqu'un. Mon désir c'est que tu fasses un pas de géant. My desire is that you will take a giant step. Mon désir, depuis je parle d'obéissance, mais I've been talking about obedience. Je voudrais que vous grandissiez dans votre obéissance avec Dieu. I want you to grow in your obedience. Et que vous arrêtiez d'être stagnant. And stop being stagnant. Ou des gens qui ne vont nulle part. The people who are going nowhere. Et vous vous faites dire aux gens comme si la parole de Dieu manque. La parole de Dieu ne manque pas. And you make people think that the word of God lies. The word of God does not lie. Arrêtons de vouloir acheter Dieu. On n'achète pas Dieu. Let's stop trying to Dieu buy God. You cannot buy God. God is not impressed. Un cœur droit, a right un esprit heart. Bien disposé, un cœur humble, a humble heart. Tu ajoutes à cela le service. Add the service to that. Pas un service de chantage. Not service for the sake of blackmail. Et tu vas voir la fidélité de Dieu. And you will see, expérimenter la fidélité de Dieu à une ou à l'autre pareil. The faithfulness of God like you've never done. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire une chose alors que vous n'avez pas fait ce qu'il vous a demandé. You cannot ask God to do something when you've not done what He's asked you to do. Je voudrais que tu te mettes debout. I'd like you to rise up. Lève-toi alors, ne réfléchis pas pour te lever non. T'as dit que même pour te lever, tu prends 10 heures.
La promptitude là. Promptness. Je prie que nous la développions. I pray that we will develop it. Ah. Mets la main sur ton cœur et prie pour toi-même. Lay your hand on your heart and pray for yourself. Je voudrais que tu parles à Dieu parce que tu sais quelles sont tes limites, tu sais où tu es tombé. Mais I'd like you to speak to God because you know your limitations, you know where you've fallen. N'est pas de te dépouiller de ce qu'il t'a donné. God's intention is not to strip you of what he's given you. L'intention de Dieu c'est que tu t'alignes et que tu lui ressembles pour être nous voulons régner, nous voulons être une bénédiction pour l'humanité. His intention is that you will align yourself. We want to rule and we want to be a blessing to mankind. Et nous voulons faire plaisir à Dieu par-dessus tout. And above all, we want to please God. Je voudrais que tu parles à Dieu pour toi-même. I'd like you to speak to God for yourself. Alors qu'on approche la table de la scène, as the table is brought, pray for yourself. Prie pour un véritable changement. Pray for a real change. Prie pour un véritable changement. Pray for a real change. Dans ton attitude, dans ta façon de prendre les instructions divines, in the way you receive our divine dans ta façon de bâtir ta relation avec Dieu, in the way you build your relationship with God. Seigneur, je ne veux plus être celle qui traîne la patte quand tu donnes instructions. Lord, I no longer want to be the one who drags feet when Seigneur, you give an instruction. Je voudrais pouvoir t'entendre clairement. Lord, I want to hear you clearly. Et être prompt à t'obéir. And be prompt to obey. Seigneur, je ne voudrais pas justifier mes désobéissances. Lord, I don't want to justify my disobedience. Je ne veux pas justifier mes désobéissances. I don't want to justify my disobedience. Je ne voudrais pas justifier mon arrogance. I don't want to justify my arrogance. S'il y a un cœur à changer, change mon cœur, Seigneur. Please change my Transforme-moi. Transform me. Pour que je te représente. So that I will represent you. Seigneur, tu as dit que tu m'as fait à ton image. Je veux te ressembler. Lord, you made me in your image. I want to resemble you. Je ne voudrais pas ressembler à quelqu'un d'autre. I don't want to resemble anyone else. C'est toi, c'est à toi que je veux ressembler, Seigneur. I want to resemble you, Lord. Je voudrais que tu me donnes ton cœur. I'd like you to give you my heart. Que tu me give me your heart. Ton cœur. Give me your heart. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Give me your heart, Lord. Donne-moi ton cœur. Give me your heart, Lord. Donne-moi ton cœur. Give me your heart, Lord. Un cœur obéissant, c'est ce que je veux. I want an obedient heart. Un cœur obéissant, c'est ce que je veux. I want an obedient heart. Je voudrais, Seigneur, me voir grandir. Je veux que mes progrès soient évidents à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me regardent. And I want my progress to be evident. Je veux que ce que les gens voient soit le résultat, la conséquence d'une vie d'obéissance à Dieu. I want everyone to see the result as a consequence of obedience. Seigneur, je veux t'obéir. Lord, I want to obey you. Je veux t'obéir. I want to obey you. Même, Seigneur, les instructions que tu me donnes dans le secret. Even the instructions you give me in secret. Je veux t'obéir. I want to obey you. Je veux t'obéir. I want to obey you. Seigneur, chaque fois que tu m'as parlé. Lord, each time you've spoken to me. Je voudrais voir que j'ai appliqué ce que tu as demandé que je fasse. I want to obey what you ask me to do. À tous les niveaux. At each level, Seigneur, au niveau professionnel, au niveau familial, in my family, Seigneur, à l'église, in church, dans mes relations, in my relationships, je veux vivre une vie d'obéissance. I want to live a life of obedience. Donne-moi le cœur bien disposé, Seigneur. Give me an obedient heart. An obedient heart. Un cœur bien disposé. An obedient heart. Je viens boire des eaux.